Vamos a bailar, vamos a bailar esta noche, esta noche. Na 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 na, na 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 na, esta noche, esta noche. As-tu reconnu la musique? Si t'as reconnu la musique, c'est que t'as un boss. Faut faire attention, il y a deux versions. Il y a une version thug et une version fragile. Moi, je vais te chanter la version thug. Elle passe dans un film. Si tu sais pas ce que c'est, je te mets un petit passage de 10 secondes pendant que je danse. C'est bon, c'est fini. Est-ce que t'as reconnu la musique? Eh ben oui mon gars. Si t'as un toc, c'est Vamos a Bailar dans Scarface. Quand Manny et Tony sont envoyés aux States, là dans le camp, là, où qu'ils font la merde, après ils crient Liberta, Liberta. Bon allez, on arrête de parler de film. Aujourd'hui, la petite vidéo qui va s'annoncer, les frérots, c'est Puerto Banús. Si, 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 si. Puerto Banús, le Saint-Tropez... Merde, je suis en train de zoomer comme un con. Ah, désolé, désolé. Mais problème vidéo, j'étais en train de zoomer en même temps. Donc direction Puerto Banús, la famille. Faut savoir que Puerto Banús, c'est le petit Saint-Tropez andalousien, espagnol comme on dit, parce que quand je dis Espagne, Wendy elle est tout pas. Non, non, Andalousie ici. Donc du coup, Puerto Banús, c'est l'espèce de petit Saint-Tropez andalouse. C'est comme ça, vous voyez. Vous allez voir des méga yachts, des putains de voitures, des classes G, des Lambours. Des Lambeaux plutôt, parce que des Lambours. Classe G, Lambours, yacht. Je vais faire aussi les petites vitrines. Vitrine Dolce Gabbana et tout. Là, tu vois la jupe, elle ressemble à rien. Elle est à 2000 balles, mon frère. Oh, et je vais essayer un truc. C'est qu'il y a des blacks. Moi, je les appelle les caribous à Saint-Ouen. Vous savez, quand vous allez à Clignancourt, t'as les mecs à la sauvette, les blacks qui te vendent tout. Là, ils sont super agressifs. Et bah, ici, en Espagne, ils disent même pas bonjour. Ils viennent même pas te demander, ouais, est-ce que tu veux une ceinture? Est-ce que tu veux ci, tu veux ça? Donc, du coup, je vais essayer de prendre la caméra, mais je sais pas si ça va être tendu. Puerto Banús, le port, les vitrines, un petit peu la plage. Et on va l'acheter de la contrefaçon et j'essaierai de vous faire voir les caribous. Bon, bah nous voilà les potos. Comme d'habitude sur le bord d'autoroute. Comme je vous avais dit, les bus d'ici sont chelous et pas sur la route. L'autoroute carrément. Donc on attend le bus là. Je vous ferai des petits travelling quand on sera vraiment à Puerto Banús. Comme vous avez reconnu la passerelle, la cité que vous voyez tout le temps. Bah à chaque fois que je me barre, parce qu'on se barre en bus, on préfère. Trop dur à conduire ici, la route, l'autoroute a son chelou. Allez les potos, j'attends le bus, je vous ferai quelques petits travelling de la route parce que j'aime bien maintenant, je suis chaud de la caméra là. Oh, je suis chaud mon gars, Luc Besson. Petit travelling, petite vue de Puerto Banús et on y go. Et on a pris une petite salade pour les SDF pour leur donner. Regarde-moi ça mon gars. Le bête de Mercos que tu vois ici. Il y a la paire de jantes et tout. On est magique. Il n'y a que des putains de voitures comme ça ici les frères. Regarde mon pote, tu veux du classe G? Regarde celui-là là. Le même que dans mon clip Car Show, t'as vu? Il est énorme. Il est énervé, il n'y a que du classe G, classe G, classe G. Regardez, là il y a un classe G. Juste là-bas, t'as un autre classe G. Par contre, lui, il a géré son truc. Tema, il a enlevé le signe Mercos, il a mis un P. Je sais pas pourquoi, mais il est énorme, il est énervé. Énervé, les frères, il n'y a que des Gova comme ça. Des Mercos qui passent cabré et tout. Putain, il est énervé. On va aller vite fait au deuxième classe G. Pas de coupure ni rien. Regarde, t'as que l'aéroport. Bon, 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 mon gars. L'aéroport, le port. Putain, t'as que de la Gova, Théma. Là-bas, t'as un Bentley. Là, t'as Range Rover. Regarde le Bentley, là, le noir. Range Rover, je vous fais juste voir le classe G, là. Comment il est énorme. J'arrive, Wayne. Regarde comment il est énorme, ce classe G. C'est quoi, c'est le tout dernier classe G. Moi, ta plaque, il est marqué Jules. Il est énervé. Waouh, 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 mon gars, c'est le meilleur classe G que j'ai vu. Théma, elle est sortie
pour tous les amortisseurs par rapport à ce que j'ai là-bas là. Celui-là il fume. Ah non, c'est un classe G500. Oh là 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 là, il est énervé. Il est énervé. Regarde, à côté, t'as des AMG au cam, encore un autre BM. T'as que... C'est Saint-Tropez espagnol, les frères. Oh, il est énervé de ouf. Regarde, après, derrière, t'as les yachts et tout. Je n'en peux plus. Regarde, mon gars. Petit Range Rover au cam, tu préfères quoi, toi? Tu préfères les berlines ou les SUV? Marque-moi dans mon commentaire si tu préfères les berlines ou les SUV. Moi, les SUV et les 4x4, j'adore. Putain de ta mère. T'as vu, mon gars? Bentley, BM, Mercos, Fiat, ouais, elle est perdue. Chevrolet, mon gars. Et regarde les yachts derrière. T'as que du bête de yacht, mon gars. Il y a un yacht, là. T'es mal vu avec la cheminée, mais ça fait bien. Avec la cheminée. C'est pas le plus... Oh là là, Chevrolet, bordel de merde. Regarde-moi ça. Je crois que c'est un Chevrolet Caïman. Hein. Les flics qui se débarquent en scout. Oh, calme. Regarde. Lui vient de Londres. Oh là là, siffleur. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. T'as vu un peu? C'est abusé, gros. Bah voilà les deux yachts. On va faire coucou au mec. Ah non. Voilà les deux plus gros yachts du port, les frères. 1, 2, 3 étages. Et regardez celui-là. 3 étages. Regarde la cheminée qu'il a, mon gars. Le mec qui a déjà un yacht comme ça dans la vraie vie, je pense que sa baraque a fait un film de cul. Et Matt, là-bas, au pied du yacht, un petit Lambo. Oh, calme, frère. Regarde ça. Putain, c'est un jour on a un truc comme ça, poupée. On aura tout compris, hein, carrément. Putain, mais le mec, vous voyez pas parce que c'est par rapport à la caméra, mais il est super long, de ouf. On dirait un immeuble. La vue de ma mère, quand t'es devant, on dirait un immeuble. Mate le Lambo qui est juste là, là, au calme. Comme je vous avais dit qu'il y avait que des putains de voitures, des yachts, de l'Afrique ici. Pas l'Afrique, le continent, hein, le fric. Le fric, l'argent. T'es mal à Lambo, mon gars. Oh là là là. Oh, j'en ai marre. Wesh, Matt, mon gars, le pantalon, il a 360 €. Regarde le pantalon trop du cul, frère. Regarde le pantalon trop du cul. Regarde un peu ça, 330 €. Je vais te revoir quelques petits trucs. Tu vas halluciner, gros. Ils te font des trucs de merde, là. T'as quand même des gens qui achètent. Les sandales, 310 €. Matt, ça. Sandales, 310 €. Et les sandales, elles sont là. Oh, ça vaut 310 € le petit lanière là. Ah, mais ils sont baisés. 310 € la paire de sandales. Regarde, mon gars, première fois que j'en vois une comme ça. Alfa Romeo pour les circuits. Matza Bailo Santos, tu seras content. Ah, mec, t'as une voiture et t'as pu même pas. Alors, il y en a, c'est des PD, sérieux. Oh là là, le Ferrari là. Putain, je veux juste laisser passer. Attends, Wayne. Tu arrives avec ta voiture hein? Normal, mon gars. Mais t'es mal le Ferrari là. T'es mal le Ferrari, gros. Les gens, ils ont des belles voitures, ils font rien. Ils sont même pas en train de faire vroom 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 vroom. Comment je suis un jaloux, moi? Ah, je suis jaloux. Hein. Je suis jaloux de leur voiture, je suis jaloux de leur yacht. Hein. Je suis un jaloux. Oh, regarde-moi ça, la Ferrari, putain. Oh là là, t'as vu, mec, Ferrari, je mets mon ordinateur, mon appareil à gauche, tu tombes sur encore un autre 4x4, quoi. Il n'y a que du SUV ici. Pardon, poupée. Que du SUV, Matt, ça, full black, c'est mon délire, ça, full black. C'est un quoi, celui-là? C'est pas un Mercos. Oh là là, avec le trail devant. T'es ma taille trail.
Oh, j'en ai marre. Je me casse, c'est bon. Je me casse et je vous fais voir un Tiguan. Oh, comment il est beau, excuse-moi, poupée. Parce qu'elle me voit, je pars partout. Regarde le gros yacht jaune. Il n'y a que du yacht, que de la voiture blanche. Regarde gros ce qui passe là. Sérieux quoi? Regarde ce qui passe et regarde ce qu'il y a à droite. Bentley décapotable. Oh là 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 là. Ça c'est un Cayenne mais on a tellement l'habitude maintenant. Bentley décapotable. Oh j'en ai marre. Le yacht. Encore une Bentley décapotable. J'arrête les frérots. C'est bon. Regardez les potes. Dolce & Gabbana. T'as pas le droit de fumer à l'intérieur. Regarde moi ça. 595 euros le pantalon. Ok. Je suis intéressé. Et regarde le pantalon. On dirait un vieux pantalon en velours quand vos darons nous les mettaient en 90 quand vous allez à l'école et vous pleurez. Moi j'en avais plein des comme ça en velours. Ma mère elle me les mettait. Je pleurais pour pas les mettre tellement que j'en avais marre. Mais on dirait ça, les pantalons en velours. Oh là là, le A3, comment elle est propre les frères. A3 S-Line. Bon allez, on va arrêter avec les voitures parce que c'est bon, il y en a partout. Mais encore là-bas, un Testarossa, vas-y c'est bon. J'arrête. Puis même leur boutique, c'est bon. Bah voilà les patins. Comme je vous ai dit hein, depuis tout à l'heure, on fait un petit tour. Vous avez vu un petit peu les tarots dans les magasins, c'est ils se touchent la bite, hein, c'est clair. Hein. Vous avez vu un peu les voitures, les sortes de yachts. T'as vu comment il y a du fric là? Sérieusement, ici, c'est blindé. La Testarossa là. C'est du feu, c'est du feu. Là, j'essaie de la prendre. What's up les potes? Bon, on est là, on se retrouve. On est sur la plage à Puerto Banús les frères. Donc du coup, on est sur la plage à Puerto Banús les frères. Je vous ai fait quelques petits travelings. On a été voir les caribous. C'est bon, on a réussi à avoir des affaires. Je vais me mettre derrière la caméra parce que je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit de la mer. Vous avez vu, là, on est posé au bord de la mer. La Wayne, elle est là, on a pris notre serviette, nos petites salades et tout les frères. Donc on a été voir les caribous, on va se mettre dans un endroit plus tranquille. Et là je vous ferai voir ce qu'on a acheté, on va aller faire un petit tour au port et tout. Donc là on se retrouve dans un endroit plus tranquille parce qu'avec la mer là ça fait trop de... Yo, re-WhatsApp la famille, comment vous allez? Bon bah moi ça va, on est bien, on s'est mis à la plage. On a été voir les caribous, donc Wayne s'est acheté déjà un petit sac. Moi j'ai pris un petit sac de charbonneur les frérots. Donc là on va aller faire un petit tour à Puerto Banús les frérots. Je sais pas si vous voyez derrière moi, je vais essayer de faire focus. T'as un mec qui fait la manche, il a plus de bras, tu vois, il est coupé au niveau des bras. Et il fait la manche, la dernière fois on lui a donné un billet. Là, vu que j'ai pris plein de petites salades déjà faites à notre hôtel, vu qu'ils sont blindés niveau salade sans self-service, j'en ai pris 3-4 pour Dodo SDF. J'ai été le voir, j'ai voulu lui donner sa salade. Le mec il m'a dit non, 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 my friend, no my friend. Le mec il fait la manche, ça je comprends pas. Il fait la manche pour avoir de l'argent, qui dit qu'il fait la manche pour avoir de l'argent pour s'acheter de la bouffe. Là je lui donne de la bouffe, il veut pas. Même après on va se dire ouais, il a pas de bras, mais il va rentrer chez lui, ça dort, il va lui donner à manger. Il peut manger, tu vois. Il fait la manche pour de l'argent, pour du manger. Je lui donne du manger, il n'en veut pas. Je vais essayer de faire un petit focus vite fait les frères, parce qu'après il va croire que je me moque de lui. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Ça c'est la plage où je suis. Ah bah il est parti là-bas là. Il est tout là-bas. Voilà, ça c'est la plage où je suis les frérots, Puerto Banús. On est là avec Wayne. Donc on a réussi à faire des petites affaires, on a vu les caribous. On a fait des affaires, mais on s'est fait un petit peu avoir. Donc déjà Wayne, celui-là il est à combien? Celui-là il est à 50. On a réussi à le choper à 20, à 30. À 30. Dedans il y a un petit foulard Burberry, il faisait à 30. On l'a chopé à 20. Donc le sac et le foulard, il nous les a fait à 40. Mais comme des coins et coins, on lui a donné 50. On est vraiment des bouffons. On a négocié à fond les frères pour dire ouais non, on a plus d'argent. Mais au final on s'est fait griller parce qu'on a sorti les billets. Donc du coup Wayne elle a eu son petit sac et son petit foulard pour 50 balles. Moi ils vendaient des petits sacs de charbonneur les frères. Vous en voyez pas beaucoup en France. Des Louis Vuitton, tu vois, comme ça. Il vendait 120 balles mon gars, 120 150. balles. 150. Putain, j'avais compris 120 balles.
Je l'ai descendu à 40 balles les frères. 40 balles je l'ai eu, les mecs ils étaient choqués parce qu'ils faisaient que de me dire dernier prix 80, dernier prix 95, dernier prix 40. Et moi je faisais que de dire non moi dernier prix 40. J'aurais peut-être dû faire comme dans la pub, 40 €. Tom 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 tom. Tu te connais cette pub? Vous connaissez cette pub, c'est la pub du loto, genre tu dis un chiffre, tu fais tom 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 tom. Ils ont plus rien à dire, ils ont dit oui. Bon du coup bah pour 40 €, je suis content. J'ai eu mon petit sac à 40 balles. Façon Barbery, façon Charbonneur. Wen elle a eu son petit truc. Là on va se faire un petit tour à la Porto. Tu peux me prendre voir si ça fait bien. On va regarder si ça fait bien le petit sac. Tu touches à rien, c'est déjà fait. Ouais, ouais. Oui je sais, je suis nu pied. Oui. On voit pas des pieds. C'est la mode espagnole. Ce qui est bien mon petit sac de Charbonneur. Quand je fais comme ça. Il est bien. Ben voilà les potos, 40 balles au lieu de 120. 40 balles.